Ça, c'est des grandes fleurs, tu sais, beaucoup. Moi, je crois que ça n'est pas ça. Ça ferait la souris, puis on se... Comment qu'un d'autre me rhum, Colette? Le soleil. Es ist so verwachsen, dass du gar keine... Ein Rosier, wo il n'y a pas d'épines. On devait travailler dur à la maison, déjà tout jeune, parce que la plupart des ressources provenaient de l'agriculture. Chaque famille avait une petite fermette. Au moins avec deux vaches pour tirer la charrue et les charrettes. On plantait les pommes de terre, les betteraves pour les bêtes. Et on avait aussi semé du blé, de l'orge, de l'avoine. Et tous ces produits participaient à l'alimentation. Donc on n'avait pas tellement de loisirs. Dès qu'on était assez fort pour travailler, il fallait accompagner les parents dans les champs. Et je me souviens qu'avec papa, on a fauché pas mal de surface pour faire le foin. Au Strauberg, par exemple. Sans vouloir me vanter, je crois que mon tracé de vie était assez classique par rapport à des copains. Mais je suis quand même arrivé à me faire une bonne place dans la société en travaillant sérieusement. Et je n'ai pas rechigné devant les efforts qu'il fallait faire. Et j'ai souvent sacrifié des loisirs pour faire des devoirs et progresser positivement dans mes études. C'est ça que je voudrais décrire et écrire dans la biographie pour que mes enfants et les petits-enfants puissent vraiment bien comprendre que si je suis arrivé à une situation honorable, respectable et qui me permettait de bien joindre les bouts, c'est grâce à des efforts. Il ne faut pas rechigner dans les efforts, mais il faut choisir une direction, essayer de la maintenir, travailler pour réussir. Et la satisfaction vient après. Et d'étape en étape, ça m'a donné des encouragements pour aller le plus loin possible. Et aujourd'hui, je coule une retraite paisible avec Colette. Et dans 10 jours, je vais fêter avec les miens mon 81e anniversaire en ayant encore une santé tout à fait convenable. Il faut vivre avec son temps. Le temps évolue énormément, rapidement. Les jeunes aujourd'hui sont très très occupés avec leur iPhone et d'autres ustensiles électroniques. Ça va évoluer énormément. Ils perdent énormément de temps dans les jeux. Bien sûr, il faut aussi des moments pour avoir une récréation, se détendre, avec des mots croisés ou le sudoku. Mais il ne faut pas oublier de préparer l'avenir, de s'appliquer à faire de bonnes études et après, si on est sérieux, on gravit les échelons. Mais il faut être toujours de bonne humeur et disponible et savoir choisir la bonne direction. Une fois qu'on a choisi une direction, on fait son maximum pour atteindre le but. Moi, je souhaite pour mes enfants et mes petits-enfants beaucoup de bonheur et d'amour, surtout. Ce n'est pas le fric qui va faire exploser du bonheur. Et tout. Il faut rester humble et profiter de tous les moments de bonheur quand on est ensemble, de s'entraider et d'être très tolérant. Pour moi, c'est ça la vie. La tolérance, le bonheur, l'amour, l'amitié, ça c'est très important. Regarde, ça
Ça, c'était des fourneaux. Pour cuire la vaisselle. Tu vois ça? Ils ont tout refait à neuf. Là, j'ai fait de la peinture dans ce bâtiment. On a quand même de la chance d'avoir un si beau musée à côté de chez nous. C'est quand même grandiose. Quand on a des invités, assez fréquemment, on vient faire un tour. Tu vois comme c'est beau ici. Et il n'y a même pas un chat. On est tout seul. Après, on ira là-bas. Juste pour un aperçu. Là, c'est trop fond, c'est bon, bougez bien. C'est là qu'on broyait les pierres. Tu vois, des on galets, broyait la vaisselle, là. Des galets qu'on a ramenés de d'autres régions. Avec ça, on faisait la vaisselle. Des propriétés particulières. Ça, c'est la vaisselle brute. Ça, c'est le biscuit. Comme elle sortait du four, la terre cuite, puis après, ça passait dans d'autres ateliers où on les mettait en peinture. Où on mettait les peintures. Et c'est comme ça qu'on empilait les assiettes quand elles étaient fabriquées. Là, ça allait dans le four. Elles étaient grises et sur un rail, ça rentrait dans le four où c'était cuit. Et ça sortait blanc. Ça rentre brun et ça sort blanc. À l'époque, on faisait énormément de travaux manuels. Ça, ils ont refait, tu vois. Ça, c'est maintenant. Et les ouvriers professionnels avaient une dextérité extraordinaire. Cette personne travaillait à la faïencerie dans les années. Moi, je l'ai connue, celle-là. Dans les années 1950-60, quand j'allais à l'école, elle avait peut-être 20 années de plus que moi. Et ça, c'était encore froid, je me souviens. Et ça, c'est les pâtes. Ils sont durs. Ils sont là dans un four chauffé et mélangé avec de l'eau. Et ça donne donc ça, ces matières. Là, pour faire fonctionner toutes ces machines, il y avait un axe sur lequel il y avait des poulies et puis les courroies faisaient tourner les tambours, les axes. C'était très dur de travailler là-dedans. Ils disent là, j'en porte encore les marques aujourd'hui. Ça, c'était pas facile. Et là, on voit les outils hein, qu'ils utilisaient. Ils travaillaient avec différentes encres, des pinceaux particuliers. Et là, commencer à peindre. Ouais, ça, c'est les assiettes au Bernet que nous, on a à la maison. Et ça, c'est la fourbe. 1944-10. Ouais, alors là, j'avais. Après, ça s'est arrêté. 5, 4, 9 ans. Ça, c'est l'auteur du service qui a créé les dessins. Henri Lux. C'est lui qui a fait l'Aubernais. C'est que de l'Aubernais. Né en 1907. Un an après mon père. Ouais.